21 octobre, 1 milliard d'années avant Jésus-Christ, Adam et Ève vivent au paradis. Nous sommes 1 minute avant leur expulsion du jardin d'Éden. Adam, Ève, vous avez mangé la pomme, vous devez quitter le jardin d'Éden, je vous renvoie. Hein? Mais on n'a rien mangé du tout? Rien! Vous voulez qu'on fasse un relevé d'empreintes? Ok, c'est bon, c'est moi. J'ai juste pris un morceau, on va pas en faire toute une histoire. C'était ça ou la feuille de vigne, j'allais pas manger mon slip. La règle était claire, vous ne deviez en aucun cas manger la pomme. Non. Mais c'est un malentendu, c'est à cause du serpent, il m'a dit de la manger, et puis alors... Le serpent représente la tentation et tu t'es laissé prendre. Ah d'accord, le serpent c'était pour me tenter. Ah ben je vois que la confiance règne, ça fait plaisir. Vous êtes les premiers hommes et je vous voulais vertueux, vous avez échoué, partez. Vertueux? Ben si être vertueux c'est passer sa vie cul nu dans un verger, ben je préfère encore partir, tiens. Juste le temps de rassembler nos affaires. Ah ben non, je suis bête. J'ai oublié que papa, dans sa grande mansuétude, nous a créés sans rien. Ève, on y va. Où ça? Mais comment tu veux que je le sache, moi? On est les premiers hommes, j'ai aucune idée de ce qui nous attend, moi. Je vous envoie sur Terre, vous peuplerez la planète et tenterez de racheter votre péché. Oh, mais ça va, on a mangé une pomme, on devrait être vite rentré. Hein. Je serai votre seul juge. Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, mais ne t'inquiète pas, Ève. De toute façon, ça pourra pas être pire sur Terre qu'ici. Hein. On devrait pas avoir le droit d'expulser les gens en hiver. C'est un scandale! C'est scandaleux!